Allez, bonjour à tous. Bon, mon petit semi-truck au bas au PX terminé. Travail fini, par mes soins, par ces bolides. Voilà, ce travail que j'ai accompli. Voilà, tout le détail. Bon, j'ai pas encore le stand pour tourner le truck là. Je l'ai mis sur une roue. Et voilà, avec les roues d'origine. Super. Voilà. Voilà, comme je vous ai dit, je fais une petite tour en deux parties, blanc, bleu, métal. Toujours mon bleu fétiche. Hein? Blue is better. Voilà, j'ai collé les pneus et tout. Voilà, roue d'origine. Façon truck. Vous voyez? Très satisfait de mon travail que j'ai fait. Bon, j'ai agencé à l'intérieur. Ah, c'est vraiment petit à l'intérieur. Hein. Ah. Donc là, je vais coller le baillot 130 ampères de chez Dynamite, le 3660 3800 kV de chez Dynamite Fuse Combo. C'est ce combo pignon de 15 avec un arbre de 5 en 38 de P. 38 de 32, 32, 32 degrés. Là, le petit récepteur Kyosho avec la télécommande qui va avec. Là. Bon, à l'arrière, j'ai mis de là 100 000 et j'ai mis de là 150 000 à l'avant pour les diffs. Hein. J'ai ouvert tout ça là. Bon, l'amortisseur, il est ici d'origine. Sauf que j'ai rehaussé un peu l'amortisseur. Parce que je veux qu'elle soit un petit peu haute. Comme un truck. Mais après, si je veux vraiment faire vraiment de la vitesse, je veux le mettre vraiment très bas. C'est-à-dire de rabaisser les points de fixation des amortisseurs pour être très bas. Voilà. Module 32, ouais, module 32. Autant m'y oublier, moi, parce que nous, je suis habitué au module 1. Là. Ça fait longtemps que j'ai pu faire les petits modules là. Module 1, bon, on va l'allumer. Et là, j'ai mis l'antenne comme ça. J'ai vu certains qui mettaient des antennes à vicabraque là, mais c'est pas bien. Voilà, on fixe ça comme ça, on fixe ça là-dedans, comme ça, et là, ça bouge plus. Vous voyez? Si elle bouge, elle va faire une petite allée-venue là, mais elle est protégée par cette gaine. Voilà, avec une lipo de 3S, hein, elle va tourner carrément en 3S. Après, le cerveau SCT, haute vitesse, 15 kg, ultra rapide. Bon, on allume. Allez. Pignon de 15, les roues d'origine commencent à volumer. Voyez, voilà. Là, on va installer la carrosserie. Bon, j'ai laissé les vitres transparents pour pouvoir regarder à l'intérieur pour les trous de fixation. Hein, vous voyez, c'est carrément à l'intérieur. Hein. Voilà, il y a deux trous là. C'est pour au cas où. Dedans, pas dedans, voilà. Pour que je puisse voir les deux trous. Voilà, rentrer direct. Voilà. Bon, il y a une, ça va aller mieux.
Splits. Je vous mets avec. Ah, mais non. Mais tiens. Voilà. Oups. Ah. J'arrive pour éteindre. Je glisse seulement mon doigt là-dessous comme ça. Voilà. Et voilà les amis. Petit travail fini. Semi-truck au bas haut. EPX 3S. Combo dynamite 130 ampères 3800 kV. Pignon de 15. Voilà. Magnifique petit truck de bas haut. Voilà les amis, il ne reste plus qu'à l'essayer. Et je vous dis ça pour une autre vidéo. Yep!